vais commencer par vous retracer le cadre général de l'exercice. L'exercice coalition 2013 est vraiment l'exercice de synthèse de tout l'enseignement opérationnel qui est ici conduit à l'école de guerre pendant un an au profit de ses stagiaires. C'est un exercice de 3 semaines de planification et de conduite des opérations qui a la particularité d'être un exercice à double action. Alors, l'exercice coalition repose sur un conflit entre 2 coalitions politico-militaires de type OTAN, l'Alliance et la Confédération. Les enjeux du conflit sont principalement concentrés sur l'état de Sekena et également sur le Cimbrian Channel. Alors, l'état de Sekena n'appartient à aucune de ces 2 coalitions tout en étant proche de l'Alliance. En 1996, à la sécession d'une partie de son territoire, la Transcénie, Sekena possède d'importantes ressources pétrolières dont les États de la Confédération sont dépendantes. Nous avons donc affaire à un exercice très complet où tous les niveaux sont représentés et où il s'agit bien de faire comprendre qu'il n'y a jamais une solution militaire à un conflit, que cette solution est toujours globale. Monsieur le Premier ministre. Cet entretien ne va pas dépasser quelques minutes. Oui, moi je tenais à vous voir parce que vous êtes chef du gouvernement. Tout à fait. Nous avons une situation dramatique. Nous vous conjurons, Monsieur le Premier ministre, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter cette catastrophe humanitaire. Le monde entier nous regarde. Nous ne pouvons pas laisser des flux de réfugiés comme ça, des milices qui viennent tuer des gens, qui les déplacent, qui violent les droits de l'homme, nous ne pouvons pas l'accepter. Si nous en arrivons au Conseil de sécurité, on risque de mettre le chapitre 7 en œuvre et vous allez subir des sanctions. Vous nous accusez, monsieur le commissaire, d'être l'agresseur. Nous sommes agressés par des milices, par des attaques d'autres pays. Mais oui. Prenez en considération que nous aussi, nous avons un peuple, que nous avons des enfants qui meurent, nous avons des femmes qui meurent. À la réunion cet après-midi, nous allons parler droit international. Nous allons vous rappeler les conventions que vous avez signées. Nous avons signé, mais nous avons ratifié. Si d'ici 48 heures, nous ne voyons pas une évolution sur le terrain, si vous faites toujours preuve de moins de bonne volonté, nous allons mettre tous les gouvernements face à leurs responsabilités. Alors, l'exercice coalition est un grand rendez-vous attendu pour nous, l'école de guerre, mais également pour les autres écoles qui sont partenaires, qui travaillent avec nous, qui permet de mettre en situation nos élèves, à peu près 500, c'est quand même pas négligeable, de 70 nationalités, de profils différents, d'expériences différentes, mais voilà, qui tous ont besoin d'être mis en situation, de sentir concrètement les responsabilités qu'ils vont avoir et de comprendre l'environnement compliqué dans lequel ils vont travailler à côté les uns des autres. Ces diplomates, ces futurs journalistes, ces futurs chefs militaires, à côté, chacun dans leur travail, mais avec des interactions très fortes entre eux. Et donc, il est très important qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se connaissent et qu'ils se comprennent. Voilà tout l'objectif, l'ambition de cet exercice coalition qui regroupe 600 participants.
Thank you.